Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour aujourd'hui donc, je vais vous proposer de réaliser cette bordure avec ce magnifique donc motif. Cette bordure, vous pouvez le réaliser donc pour des robes ou bien pour des gilets. Alors donc pour l'exemple, j'ai monté 25 mailles donc. Le motif se tricote sur un multiple de 23 mailles. D'accord? Donc moi, pour l'exemple, j'ai monté 25 parce que je vais laisser une maille lisière de chaque côté. Alors, pour la première rangée, donc, je vais tricoter toute la rangée, toutes les mailles à l'endroit. Et la rangée retour, on va tricoter à l'envers juste pour avoir une barre point de mousse. On tourne et je repars à l'endroit. Termine. Alors ça c'est juste la base de notre motif. Alors pour la première rangée, je fais une maille lisière, je fais une maille à l'endroit, je fais un jeté, je fais une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf mailles. 9 mailles, je fais un surjet double. Cette fois-ci, je glisse dans la maille, je la remets sur mon aiguille comme ceci. Je tricote 2 mailles ensemble et je viens rabattre la maille sur. Donc, un surjet double, on fait 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 et 9. Alors 9 mailles. Oui, j'ai fait quoi? J'ai fait ah, oui, 23, 25. Alors, je devais monter 24 mailles. Alors, une maille dixième. Oui, bon. Je fais un jeté. Normalement, la séquence se termine par un jeté. Donc, je vais arrêter une maille ici pour nous faire une maille lisière. Donc, au total, on monte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mailles. Alors, deuxième rangée du point, on fait une maille lisière, une maille à l'envers et 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, à l'envers, et la maille lisière. Troisième rangée, une maille lisière, une, deux mailles à l'endroit, un jeté, une, deux, trois, quatre, cinq, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles. On refait un surjet double. On glisse 7 mailles. Je tricote donc les deux. Et je viens rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Injecter et je fais une maille à l'endroit et la maille lisière. Je tourne. Fais 2, 3 mailles à l'envers et le reste, on tricote à l'endroit. Le jeté toujours à l'envers et la maille lisière. On fait maille lisière, une maille, deux mailles, trois mailles. Je fais un jeté, une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. On fait un surjet double, ici. On fait 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté, 2 mailles à l'endroit et la maille lisière. On fait toujours une, deux, trois, quatre mailles à l'envers. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze mailles et une, deux, 3, 4 et la maille lisière. Alors, on continue ainsi. Donc, on fait 4 mailles, un jeté, on prend les mailles, on fait 3 mailles, un surjet double. Donc, on va faire des diminutions jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles ici. Alors, oui. Donc là, on arrive à la dernière rangée. Après avoir fait donc des surjets doubles au milieu, on se retrouve avec 3 mailles. Partie de là, c'est simple. On fait 1 jeté. Ici, on fait un surjet double. On fait un jeté et on prend le reste de maille. Rangée retour, on fait à l'envers. Si on prend toute la rangée, donc on fait tricote tout à l'envers. Comme vous pouvez voir, c'est très rapide, c'est très simple. À la fin, vous avez ce magnifique motif. Vous pouvez voir, juste ajuster ici. Alors voilà, chers amis, ce que j'ai tenu à vous montrer aujourd'hui. Donc ça, c'est le prochain tutoriel. Donc ça sera une petite robe, vous pouvez voir, avec cette magnifique bordure. Et je vous souhaite à tout temps bien des choses et je vous dis
un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour notre nouveau tutoriel. Et surtout, portez-vous bien, sans oublier encore une bonne et heureuse année 2021.